Salut à tous les gens, c'est Mélo Kimiko, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. Ça va être un unboxing, enfin un unboxing un peu space parce que du coup j'ai déjà ouvert ce carton. Et enfin voilà, je suis un peu spoil, carrément beaucoup spoil même. Donc aujourd'hui je voulais vous le présenter parce que j'ai déjà fait un unboxing pour mon casque chat. Et ça avait beaucoup plu aux gens et je sais que grâce à cet unboxing beaucoup de personnes avaient acheté ce casque. Donc aujourd'hui je vous présente mon nouveau casque. Je n'ai pas abandonné l'autre, vous inquiétez pas, je l'aime beaucoup, mais aujourd'hui je l'ai pas mis, vous avez vu. Donc je l'ai abandonné un tout petit peu, mais voilà, j'aime le nouveau, il est trop beau, je vais vous le montrer. Et donc attention, tenez-vous prêts les fanboys et les fangirls de ce petit personnage en question que je vais vous montrer tout de suite. Vous allez être en sueur. Cette chose, c'est mon copain qui me l'a acheté. Donc il me l'a acheté sur un site japonais, donc je sais plus le nom, mais je mettrai le lien en description du site. Voilà, c'est un site japonais, donc c'est tout un bordel parce qu'il faut pouvoir que les yens soient en euros et il faut pouvoir qu'on puisse vous l'envoyer en France, etc. et vous le faire passer à la douane. C'est tout un chantier a priori. Mon chéri en a chié, donc, mais c'est passé quand même. Je l'ai reçu hier. Voilà, c'est un joli carton que je n'ai pas eu le plaisir de voir parce que mon chéri m'a fait la surprise en le déballant. Donc son prix était de 1098 yens, plus cher avec les frais de douane et machin. Je pourrais même pas vous dire le prix. Donc voilà, faites la conversion. Et puis voilà. Donc c'est parti, je vous présente la chose. On a le dessus. Et là. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a Miku dessus, vous vous dites, vous faites le rapprochement, c'est bien sûr le casque de Miku. Donc je l'ai reçu dans une très belle boîte. C'est une grosse boîte, vous voyez ma tête à côté. On va la déballer ensemble. Ça c'est juste, on va dire, une pochette pour mettre devant. Ça c'est la boîte, on a juste le 01 ici. On l'ouvre. Voilà. Première couche enlevée. Petite vue, donc il y a bien marqué le Hatsune Miku. Je sais pas si vous allez l'avoir en allant droit. Mais du coup, il y a marqué Hatsune Miku. La boîte est complètement rose. Hein. Donc en premier, nous avons une pochette comme ceci. Et à l'intérieur, qu'est-ce que... J'ai un trou. Le petit sac, on va dire, le petit sac de rangement. Voilà, sac de rangement. Donc c'est parti. Donc dedans, il y a rien du tout. Hein. Donc voilà. L'aperçu de cette magnifique boîte, comme vous pouvez le constater, donc elle est très belle. Hein. Avant, je vais vous montrer tout ce qui se passe dans la pochette et après je vous montre ce qu'il y a dans cette magnifique boîte. Ouverture de cette petite pochette, donc rien de méga extraordinaire. La lanière pour faire tenir le sac que je n'ai pas encore mis parce que je n'ai aucune idée de comment ça se met. Donc ensuite nous avons un premier câble, c'est pour brancher le micro et le casque du coup. Donc il y a un petit logo dessus. Hein. Voilà, là il y a le logo casque et de l'autre côté il y a le logo micro. Donc ça c'est pour tout ce qui est casque et micro. Ensuite nous avons un deuxième fil, c'est du coup le fil pour brancher votre téléphone, etc. Donc ensuite nous avons un autre sachet avec des autres fils. Il n'y a que des fils dans ce casque, c'est un truc de ouf. Recharger le casque. Donc c'est parce que je vais vous montrer après les options. Donc ensuite on a encore un espèce d'élément phare du casque qui est très important quand même. C'est du coup le micro. Donc le micro qui se présente comme ceci. Je vous montrerai également le fonctionnement du micro. Donc là il y a un bouton. On avait ceci mais je sais pas vraiment ce que c'est ça. Donc et ensuite on avait un espèce de... Bon, moi je trouve que voilà, ça passe carrément en poster, mais en réalité c'est, on va dire, le tuto de ce casque. Voilà, tout est écrit en japonais donc je ne comprends rien. Donc ensuite on passe au meilleur, donc à la housse. Donc voilà, donc c'est parti, donc je l'ouvre. Voilà, dedans ça se présente comme ceci. Voilà, donc on voit déjà les petites oreilles. Donc c'est parti, je le sors et chpouk. À l'intérieur, voilà, c'est le rangement vraiment fait pour le casque. Hein. C'est pas une pochette comme ça à emmener ou d'emmener tout ce qu'on veut dedans. Donc voici le casque. Donc voilà, il y a bien marqué le Hatsune Miku dessus. Donc il s'attourne hein, forcément. Voilà, de l'autre côté c'est pareil. Hop. On a bien les oreilles comme ceci. De l'autre côté ça se présente comme ça. Dedans on a la marque inscrite ici. Là c'est de la mousse, c'est mou, c'est hyper mou. Là c'est hyper mou aussi. Donc voilà, il y a bien le petit 01. Vous pouvez agrandir le casque. Je le kiffe. Donc voilà.
Donc ce casque, il marche en Bluetooth, du coup vous pouvez écouter de la musique en Bluetooth, donc c'est cool. Il fait également de la lumière, on va voir ça ensemble. Donc il fait aussi un son, je vais vous faire écouter ça. Donc à l'intérieur il y a donc une petite Miku qui se balade dans ce casque et qui parle. Je vais vous montrer ce que ce casque sait faire. Chut! On t'entend! Tout ce qui est la prise de jack pour mettre sur votre PC ou sur le téléphone. Ici, c'est pour recharger. Ici c'est pour le micro. Ici c'est le plus et le moins pour le volume. Et ça c'est pour l'allumer. Le casque s'allume automatiquement. Donc voilà, là il est allumé, hein, ça se voit pas. Mais je vais éteindre, vous êtes. Donc voilà, donc on va l'éteindre pour l'instant. Donc ensuite, vous allez avoir besoin de votre téléphone et vous allez devoir télécharger une application, donc forcément sur un Play Store japonais parce qu'il n'y a pas en France. L'application c'est Youmoo, voilà, et vous allez tomber ici, vous avez des configurations à faire, enfin bref c'est tout un chantier. Vous activez le Bluetooth, c'est important sur le téléphone, et ça se connecte. Ah bah oui, si je l'allume pas, quelle nouille. On recommence. Donc voilà, il est connecté, donc ensuite vous allez donc du coup aller sur l'application Youmoo, donc ici, et vous allez aller là où il y a Miku, voilà. Donc vous allez avoir cet écran, donc en fait après vous avez des options, donc je vais éteindre la lumière pour que vous puissiez voir. Donc la première option et la dernière ne fonctionne pas, et sinon la dernière doit faire ça. Voilà, mais ça marche pas. Donc voilà, après je pense qu'il y a d'autres choses à découvrir, mais je le sais pas encore parce que vu qu'il est tout nouveau et que je viens de l'avoir, ben je connais pas encore tout dessus. Voilà. Donc j'espère que ce casque vous plaît et que je vais pouvoir faire de nouvelles photos avec et que ça va devenir mon petit chouchou en fait. Je vais l'avoir tout le temps. J'ai déjà commencé à faire des TikTok dessus, vous pouvez aller voir mon TikTok Mello Kimiko. Donc si vous le voulez, ben, je vais essayer de vous mettre un lien dans la description. Et voilà, c'est une galère à voir, c'est une horreur. Et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné encore plein d'idées pour acheter ce genre de casque qui est trop beau. Et ben, je vais vous faire de gros bisous et je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et gros bisous à tous et prenez soin de vous et